Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE 22. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah c'est les matchs du pay-per-view WrestleMania Backlash. Là, je sais pas si ça s'appelle WrestleMania Backlash ou ils l'ont appelé juste Backlash tout court, je sais pas. Mais dans le doute, on va le dire complètement. C'est la version 2022 et bien entendu on va faire les matchs que le pay-per-view, excusez-moi, peut proposer. Je suis déjà fatigué. Alors là vous devez vous dire, mais Nasserou, normalement tu te filmes quand tu fais ces vidéos là et tout, on voit ta petite tête à droite là, pourquoi on te voit pas? Bah c'est tout simplement parce que au moment où je vous parle, eh bien je viens de rentrer du sport et je suis lessivé parce que bah, pendant le ramadan j'ai pas fait de sport et là ça fait un mois et la reprise, 1h30 de cardio, je suis... En fait je vais bien, tu vois, c'est là c'est l'après et tout, je suis en train de récupérer tout ça, mais j'ai une tête de fatigué. Pour ceux qui font du sport, vous voyez c'est quelle tête? C'est la fameuse tête où t'es trop chelou, du coup bah au moins vous avez du gameplay et tout, tranquillou, voilà. Du coup normalement tous les combats seront sans ma tête, je m'en excuse pour ceux qui aiment me voir peut-être un petit peu. Bah, c'est pas le cas, c'est pas grave, vous me verrez quand il y aura les combats proposés par les abonnés, c'est bientôt hein. Parce que la carrière est pas loin d'être sur la fin. Et si vous voulez pronostiquer aussi, parce que le pay-per-view a lieu la nuit de dimanche à lundi, déjà. Moi j'avoue, j'étais pas prêt. J'étais sur Twitch, on était en live, tranquillou. Et là, bah, t'as une personne qui me dit, mais t'as préparé tes vidéos pour Backlash? Parce que bah, les gens sur Twitch me connaissent un petit peu maintenant, tu vois, on est assez intime. Je leur fais, bah non, c'est quand le pay-per-view? Ils me font, bah c'est ce dimanche. Je fais, mais non, c'est pas possible, c'est pas ce dimanche, j'ai rien préparé. Bah du coup, voilà, bah, là, on est vendredi soir, au moment où je vous parle, il y a à peu près 20h. Et bah je suis en train de faire des vidéos, tout simplement. Voilà, bien joué Cody. Et on fait Cody Rhodes face à Seth freaking Rollins. Alors moi j'ai pronostiqué Cody Rhodes vainqueur, parce que je me dis que le but là c'est de le up au maximum auprès du public et tout. Faut vendre tout ça. Après peut-être que Rollins peut gagner hein. Mais je sais pas pourquoi, je sens que cette rivalité... ça va être comme un peu avec Edge malheureusement. Mais c'est pas grave, Rollins, il sait mettre en avant les gens, même ceux qui n'ont pas besoin d'être mis en avant, bien sûr. Mais il est bon pour ça. Il est bon pour tout, Rollins, généralement. C'est un très bon athlète, et pas que. Donc si vous voulez pronostiquer, si vous pensez bah, justement que ce que je viens de dire est totalement faux, et que bah pour vous, ça va être Rollins le gagnant du combat, bah n'hésitez pas. La stipulation, eh bien c'est très simple, il n'y en a pas. Là, c'est un match. Tout ce qu'il y a de plus basique, attention, vas-y attrape-le tranquillou. Tu fais la croix, là il se demande où est-ce qu'il est, et ben il est au sol. Et ouais. Attendez monsieur l'arbitre. Alors là, je me pose la question, c'est est-ce qu'on peut aller aussi loin? On aurait peut-être pu aller aussi loin. Mais il nous a contré, oh là là, aïe, aïe. Rollins, n'oublie pas que c'est presque 6 là. S'il te plaît, arrête ma tête. Stop, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. Là, il va nous remettre sous le ring. Merci à vous. Ah, même pas. Ah, mais c'est un radin, dis donc. Bah, tiens. Ah, mais l'arbitre, hein, je suis déjà sur le tablier. Ouais, bon, bah. J'avais prévu la prise. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Et pour ce pay-per-view, bah, on fera ce match. On va faire le match, bien sûr, Roman Reigns, Drew McIntyre, et enfin, à 3, là, 3 contre 3. Ça va être un régal à faire en vidéo parce que c'est très très long, ces matchs-là. Ronda Rousey, Charlotte Flair, on a aussi... D'ailleurs pour l'instant il n'y a pas eu de match avec Bianca Belair si je dis pas de bêtises, à moins qu'il s'est passé quelque chose que je ne rate plus du tout SmackDown Hero. On a aussi Omos face à Bobby Lashley, bien entendu Edge Styles face à Edge. Ça va être fantastique ça je pense. Et Madcap Post contre Happy Corbin, ils se sont embrouillés enfin. Pas forcément vu. Après, c'est pas trop grave que je suis pas les storylines pour la simple et bonne raison. C'est que quand tu regardes le pay-per-view, bah pendant 10 minutes, on t'explique ce qui s'est passé durant quasiment le mois. Du coup, tu dis à quoi bon avoir radé pendant 3 heures quelque chose. Mais c'est un problème de timing avec moi, c'est le temps. Là où j'aimerais bien regarder, détendre, voilà, taper un petit apéritif et tout devant. Mais le souci, c'est que. Le temps c'est compliqué, il faut le gérer du mieux qu'on peut, mais... Bon bah là c'est bon. Monsieur l'arbitre. Et de 1, et 2,
Simplement 2. C'est dommage. Ah, c'est un match qui est plutôt dans le combat, tu vois, que on est tellement habitué à voir Rail Pig, bien entendu, et c'est lent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est le combat est... On dirait qu'ils sont comme moi, à part si c'est moi qui suis au ralenti peut-être, hein. Peut-être que le combat est normal et que c'est comme je dis, comme je suis fatigué, je suis en train de récupérer, bah j'ai l'impression que c'est lent, mais ouais. J'ai l'impression que Rollins et Cody... Eh ben non. Vas-y, enchaîne-le bien. Oh. Aïe, aïe. En plus, il tape là où il n'y avait pas de gants. Non, non, non. Non, non. Rollins, je sais ce que tu as voulu faire. Non, non, non. Je sais ce que tu veux faire. Non. Attention. Il va falloir contrer parfaitement. Mais pourquoi tu te remets à genoux? Mais... Ok. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il était bien, il s'est remis pas bien, il s'est remis pas bien, il était bien, il s'est... Oh non, oh non, oh non. Aïe, 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 vite. Non, non, ça c'est bien que ça va rebreak. Ça va... Non, Cody, t'avais la main. Simplement 2. Après, on pouvait rebreak, c'est vrai, il y avait écrit rond. Il y avait écrit rond. Et c'est juste moi, gros bourrin que je suis. Est-ce que j'ai vu rond? Non, bah je vois qu'il faut taper sur croix. Je le fais. Aïe, aïe. Après, nous aussi, on peut revenir, hein. Vous inquiétez pas. On fait un petit... Un petit spécial, comme maintenant. Ça va passer très très bien. Alors pour ceux qui se demanderaient, hein, Cody Rhodes n'est pas prévu sur 2K22. À part s'il faut... Ils auraient dû, moi je dis un... Surprise, boum, il est dans le jeu. C'est pas un DLC prévu. Ça c'est ce qui manque dans le jeu. Ils prévoient des DLC, tu vois, ils ont un planning. Ok. Mais ça manque dans le jeu, toi, des surprises. Genre Cody, c'est quand même... Plus c'est vendeur. Je me dis tiens, après c'était pas aussi simple que ça, tu vois, ok, je vais bien le comprendre. Mais les gens, même si tu le mets payant, enfin, normalement tu le mettrais pas payant, mais même si tu le mets à, je sais pas, 1,99€ le personnage, les gens ils vont l'acheter. Ah, c'est le marketeur qui vous parle. Non, Rollins. Aïe, aïe, en plus on est malheureusement en paralysie. Il va vouloir taper son finisher, qui va réussir parfaitement. S'il te plaît, non, non, non. Ne fais pas de combi. Alors là, il va falloir tapoter. 1, 2. Simplement 2. Ah bah là, franchement, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai cru qu'il allait y avoir 3. J'étais au bord de la rupture. Mais non. Cody ne se laisse pas faire. Et au début, on était bien. On dominait. Et là, Seth fucking Rollins, l'architecte, enfin l'ancien architecte, hein, retraité maintenant depuis. Et il s'est dit, pourquoi pas. Ah mais, il est en train de nous détruire, de nous démonter, comme la pièce montée. Ah mais c'est bon, je vais plus avoir de mâchoire après. Calmez-vous. Voilà. Laisse-moi retourner sur le ring. T'inquiète, j'ai 2 finishers. Là tu dis, tu te la pètes comme ça, mais t'inquiète même pas. Ouais non, on n'arrive plus à bouger. Je sais pas ce qu'ils sont en train de crier le public là. Ils vont se calmer. Ah mais... Le souci du match pour l'instant c'est ça. C'est qu'on met 3 quarts d'heure à réussir à le contrer. Alors que lui, il met 2 secondes. Là ça va. On a fait le contre simple, efficace et somptueux. Oh là, cette souplesse de toute beauté. C'est bon. Maintenant on va voler le match. On va faire 2 finishers. Le tomber et on gagne. Vous allez voir. En plus il est paralysé. Donc il va se prendre le deuxième. Vas-y. Alors là, on le punit pour tout ce qu'il a fait. Je dirais même, on le tabasse un peu pour... Tranquillou. Vas-y. T'es prêt? C'est bon. La soumission, moi je dis, elle va passer. Elle va passer. Et le match, on va le voler comme jamais on a volé un match. Cody Rhodes remporte la victoire avec une soumission face à Rollins. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très 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 vite pour la suite des combats. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut.